Yo yo yo, on est sur Astra Knights of Veda, donc les guerriers, oui, de Veda. Donc c'est un nouveau gacha, donc on découvre ça ensemble. Apparemment ce serait un gacha assez dark, dans la dark fantasy, qui nous ferait penser à Berserk ou à Dark Souls ou à des trucs comme ça. Donc let's go, j'ai juste installé le jeu. Alors attention, quand vous installez le jeu, vérifiez bien dans le serveur ici, derrière ma tête. Moi, c'était en Amérique de base. Donc, mettez Europe. Et voilà. Donc, on est parti. Il va y avoir une cinématique, j'imagine. En tout cas, c'est niveau graphisme, j'aime bien pour l'instant. C'est qui pour vous connecter. Attendez, je vérifie le serveur encore. C'est bon. Je me connecte. Et on regarde la cinématique ensemble. Je préviens, c'est dark. Beyond the sea of darkness stood Gigantful, Mad King Magnus' gigantic fortress. Don't forget! Today's battle will crown the true king! My feathers will be upon our swords! All aboard! I pledge to dedicate my sword under the flag of Ed, the next true king and liberator. Please look after us! Say farewell to the mad king's sins. May God judge his sins. Today is the day we get true justice. It's time. We pledge to our swords for this moment to come. To liberate the Holy Land from darkness. Don't have mercy on the enemies. We will purify the land with their blood. May Vedder's will be upon our swords. Hail Magnus! Glory to the new king! Ok, oui. Aussi, j'ai oublié de vous dire, ce n'est pas un gacha tour par tour. C'est un gacha à gameplay horizontal. J'y vais. Ouais, mais moi je veux jouer à la manette. Attaquer. Alors là, je sais pas du tout. Dans tous les cas, je joue à la manette, je pense. Voilà. Hop. Non, je vois pas les touches manette, c'est un peu dommage. Là, je joue à la manette, les gars.
Par croix, c'est pour rouler. Rond, c'est pour mettre un shield. Il y a un truc dans les jeux que je trouve un peu débile. Et regardez, tous les soldats ont un casque, sauf une personne dans tous les soldats. Et comme par hasard, c'est le personnage qu'on joue ou c'est le héros de l'œuvre. C'est souvent le cas et j'aime ça, c'est un truc que j'aime pas trop. Dans les jeux, dans les films, n'importe où. Il fallait rester appuyé sur croix pour courir, ok. Stamina, c'est la barre bleue autour de moi. Ok. Monte à l'échelle. Je monte. Bon, apparemment, on peut reroll dans le jeu. Mais j'avoue, je sais pas si je vais reroll. Je pense pas. J'ai du mal à comprendre, est-ce que le roi c'est Harakiri ou est-ce qu'il a tué la meuf à terre? Je sais pas trop. Appuyez pour attaquer. Le problème c'est que je sais pas c'est quelle touche. C'est quelle touche? Ah, c'est R2. Ah, la pire touche. Bon, c'est le tuto, on peut pas mourir mais... Pourquoi R2 c'est nul? Et L2 c'est courir aussi. L1 c'est quoi? L1 y'a pas. Pourquoi ils ont mis R2? C'est pas fou R2. J'aurais plus mis R1 moi tu vois. Le problème c'est que je peux pas changer les touches. Merde. Vous restez appuyé sur R2 pour faire une attaque puissante. Pas puissante vite fait, hein. Meurs. Décapiter le roi. Appuie sur A. Triangle? Non. Carré? Non. L1? L2? Non, pas L2. Alors je cherche la touche hein, sur manette. Bon, c'est ça. Carré, ça marche pas. Triangle, ça marche pas. L1, ça marche pas. L2, ça marche. C'est la roulade. En fait, L2, c'est croix en fait. R2, c'est le coup basique. R1, ça marche pas. R3 c'est attaquer aussi. Non mais les touches sont horribles. Attendez les gars, est-ce qu'il y a moyen... Ah là, manette. Il y a moyen de faire les touches ou pas? Ça doit être inconnu. Pourtant je joue avec une manette là. Hein. En fait, j'ai pas de possibilité de faire les touches. Attends, je cherche la touche. Non, je trouve pas.
Bon, je vais devoir jouer à la manette, au clavier, j'ai l'impression. Ah, mais j'ai pas le choix là pour ce tuto, ok. On va jouer au clavier souris, les gars. Pas le choix, la manette, ça marche pas. Ah, c'est bon, j'ai réussi, tu vois. Ok. Bon, je suis un peu bridé du coup, mais let's go. C'est bizarre qu'ils reconnaissent pas ma manette. Ouais, je corrige ça plus tard. Et ça hors découverte. Il y a un boss. Frederick, le marteau noir. C'est le marteau noir. On va le tuer. N'inquiétez pas, mes potes soldats. J'aurais bien aimé m'entraîner à la manette, mais malheureusement je ne peux point. Putain, mais j'ai galère, hein. Il tape en arrière, c'est un tricheur. Je crois que c'est scripté ce combat, les gars. Ouais, c'est scripté, ok. Ok. Merci Edouard d'avoir one-shoté le marteau noir. Come on.
Elle m'a volé mon cristal, comme ça. On dirait trop la vision rayon UX de Superman. Mort. Unfortunately, your physical, but luckily, your soul. I will give you a. Va me donner un nouveau corps. Donne-moi un nouveau corps, madame l'ange démoniaque. Moi, je suis un mec, donc je prends un mec, hein, logique. C'est logique jusque là. Alors, le mec avec la coiffure moche, Sephiroth. Oh, Sephiroth, je prends, hein, je pense. Ouais. Et ouais. Bon. Ah, c'est féroce, hein. Je m'appelle Kent. Ton nom, j'ai utilisé. Comment ça? Le Jordi. Comment ça, ce nom, j'ai utilisé? On va essayer de gruger. Attendez, TM. Je vais prendre le sigle TM et je vais voir si ça marche. Putain, ça marche pas. Comment je peux gruger les gars, dites-moi. Dites-moi une astuce pour que je gruge. Peut-être Kent avec un accent. Voilà, let's go. Il y a toujours un moyen de gruger. Toujours. Il y a un mec qui a pris mon pseudo déjà. Sur le Saint Graal. Ok, je mets ma main sur le Saint Graal. Quoi, c'est une invocation, c'est ça? OMG, je suis un chevalier. Ah non, j'ai invoqué un mec. J'ai invoqué Léon, 4 étoiles. Bon, c'est sûrement scripté, je pense. Je suis un chevalier de Veda. C'est Veda, ok. En fait, Veda, c'est la déesse de la guerre, d'accord. C'est elle, en fait. D'accord. Ok. En fait, le book, ça fait tout, en fait. Ça, tu prends possession des anciens gardes et tout. Les équipements, etc. Donc, Léon... Ok, j'ai débloqué un autre mec. Yanko. Ok, donc là, j'ai Léon et Yanko. Ok. Tu fermes le livre, ferme le livre, ok. Donc là je suis un archer de la peste. Elle, je sens que c'est une méchante, elle, hein. Yeah. Mon cœur. Mm-hmm.
use most of my power to save. Then I fall into sleep. And if I vanish from this subspace. Wait! I still have questions. I'm too tired. Go find Finna, your. Wait! D'accord. En vrai, l'histoire est sympa, tu vois. Pour un gacha comme ça. Maintenant, faut voir si le gameplay tout tient la route. Ok. Il faut aussi régler ce problème de manette là. C'est un problème ça pour moi. Je préfère largement jouer à la manette à ce genre de jeu. Mon chef du livre, c'est moi. C'est moi ça. J'ai Léon et l'archer. Et Yanko. Cauchemar en deuil. Niveau 1. Nouvelle aventure 1. Nos rêves perdus. Ok. Chutitanesque il y a 2 ans. Vous avez vu ce qui s'est passé quand nous avons affronté Magnus à chute titanesque. Nous sommes dans un cauchemar que vous êtes de nos souvenirs. Un groupe d'ennemis arrive bientôt. Numéro de bouclier, ok. Ok. Je peux pas avancer. Ah, faut que j'appuie sur eux. Ok. Maintenant à mon tour. Comme moi j'ai mis le bouclier avec lui et en fait ça reste sur le deuxième. D'accord. Donc lui il est archi, il va préparer un autre truc. Nous allons vous donner nos pouvoirs. Utilisez mon pouvoir à celui de Léon pour sortir de ce cauchemar. C'est quoi ton pouvoir à toi? Il n'y en a pas apparemment. Et une petite tourelle, j'ai invoqué une tourelle. C'est quand c'est que devant. Faut s'appuyer ou pas? Ok. Qui veut me tester ici? Ah! Je rigolais! Et je préfère cleave avec, avec lui. Hein. Ok. On a trouvé une magicienne. Une support. You idiot. Magnus fully understands what we mean. Let's go back. Yeah, Leon. Rani's right. C'est Rani. De Elden Ring. Return. Leader? But we're 1 second away from Magnus. It's your dream. You always wanted to end the lunatic tyrant on our own and become here. Mm-hmm. No. My dream is being with you guys. As long as I have you guys, I can realize my dreams. Leader. I knew we could count on you. Je crois que la dame elle est morte. Rani, un
même temps, quelle idée de discuter sur un champ de bataille, hein? Dites-moi, c'est quoi cette idée? Et il est stupide. Et là, Léon, il a acquis son ultime. Ah, on va l'invoquer, Rani, dans nos rêves. OMG, notre rêve s'est effondré il y a 2 ans. Ok. Ok, mec. Oh, c'est encore marteau noir, mais il est pas mort ce mec. Attention, il tape en arrière. C'est un tricheur. Oh, ça marche pas, moi. Ah, je l'ai pas. Boum! Elle tire que tout droit, elle? Ok. Ok, c'est encore scripté. Il est devenu résistant à l'élément sang. Ah. Comment ça, l'élément sang? Et là, il y a Rani qui a fait quand même, Kamehameha. T'as bien joué, Rani. Je m'attendais pas vraiment, hein. Je suis surpris de te voir là, hein. Et du coup, c'est quel élément? La lumière? Ok. Oh, c'est bon. C'est Lux. Oh, c'est Lux. Ah. Tricheur. Bah alors bouffon. Ah. Bah alors bouffon. Voilà. Qu'est-ce que tu vas faire? Il va rien faire, le bouffe. Je suis le chef du livre, c'est moi. Donnez-moi vos pouvoirs. Ok. Bon, j'espère qu'on pourra régler ce problème de manette. Hein. Comment j'ouvre le coffre? Ah, faut attaquer. Et l'argent, ok. Let's go! Réussite! Voilà, vraiment, je suis le meilleur joueur FR. 2 éclats, Rani, or, expérience, arc et des stuff. Ok. Same dream again. The memory of meeting her. Why can't I remember anything else? Je me fais attaquer! C'est quoi ce cri là? Des gobelins au hasard. Non, c'est pas des gobelins, c'est des zombies.
C'est le forgeron, faut que je sauve le forgeron. Il va me forger des armes. Voilà, ça dégage la racaille. Et si monsieur. Tu es chef du livre, évidemment. To know Finar Johannes of Todd. Oh, Mum! The goddess brought you here. We're the people of Todd. Finar Johannes is the head defender of our castle. The head defender? Mm-hmm. I'm afraid so, Master of the Thanks to him and the knight, we could survive through the day of the tragedy. The day of the tragedy. Mm-hmm. Dear legendary Knight of Veda. I have a desperate request. You go to Todberg first and ask for help. And it's hard to move with all the injured. Je vais devoir moi-même demander des renforts. Thanks to you, there will be no more. Todberg is just one hill. Take this hammer, and people will believe you, even though you're a stranger. Ça veut rien dire le marteau. Le marteau, j'ai pu le prendre sur ton cadavre. C'est quoi ça? N'importe quoi ça. Ok, le contrôle manuel est toujours disponible même quand le combat auto est activé. Vous pouvez vous déplacer manuellement, effectuer une ruée, esquiver dans des situations dangereuses et lancer des attaques puissantes et des compétences au... Au quoi? Ah. Attends. C'est un nouveau truc ça? Activer combat auto... Bonjour, automatiquement désactivez-le, ok. Ah, c'est là, oh, ok. Oh, bah oh alors du coup. Automatiquement j'imagine. Alors du coup on va tester. C'est quoi ces V? Ok, là c'est un mode automatique. On va voir comment il se débrouille. Oh, il se débrouille plutôt bien hein. Ok. Donc il y a un mode auto pour ceux qui sont qui avaient peur que ce soit cure manuel. Tous les gachas ont un mode auto, hein. De toute façon c'est obligatoire maintenant de nos jours. Alors moi j'aimerais bien arriver aux invocations, voir à quoi ça ressemble. Comme ça on mettra fin à la découverte quand on sera aux invocations les gars. Partout évidemment. Encore en auto les gars, hein. Je laisse voir comment ça gère. Ouais, ça gère plutôt bien. Hein. Pour l'instant du moins. Bonjour monsieur. C'est lui, je suis sûr. Even though you're a knight of Veda, you're a stranger, and I can... Tu vas me laisser entrer, j'ai un livre magique. J'ai un marteau aussi. Je l'ai pris sur le cadavre d'un forgeron dans la forêt. That is Mr. V. I saw his parade. The undead were attacking them. Are they safe? For now. They're at the bottom of the lake. I got rid of them all. But they might show up again. Joy. You heard, right? Take the fastest with you.
bring the carriage and people back. Yes, sir. Follow me. Follow me. Come on, move it. I apologize for being. The goods in the carriage are very important for the. Todberg owes you big. You're here to meet Grandmaster Finnar, you see. I'll take you to him. Follow me. Okay. Alors, vu qu'on est en ville, on va sûrement pouvoir invoquer peut-être. Voir à quoi ça ressemble. On va mettre au niveau 2. Bientôt niveau 2. Tifa, lui là. On peut rencontrer des joueurs. Ah mais on peut rencontrer des joueurs. Ah ouais. Outil de cuisine. Oh, il est stylé lui là. Oh le perso est trop stylé. Je le veux. Ah, je savais pas qu'on pouvait voir des gens. Je suis le mec, hein. Je suis la narration. Ouais. Knights of Boden. Un roi là? Ah ouais d'accord, toujours plus les gros nibards là, toujours plus. Toujours plus. Demona, how beautiful, like white lilies. Your heavenly beauty is radiant as always. Not you again. Hard to get as always. Sorry to say. Un forceur lui. Not asking you out today. They're off to see the Grand Master. They're a knight of Vedder. Haven't seen one for ages. Yeah, whatever. He's inside. What? That person is a knight of Vedder. Une heure après. Elle n'est pas très fut-fut cette dame, hein. Qui fait Edgar? Il est un... Et on dirait pas Pat. Mais c'est Pat ça, c'est Pat. Toi Pat. Ok. J'ai rencontré Pat les gars. Go inside and find Grandmaster Finnar. If time permits, after you meet him, come find me at the tavern. Ok mec. You need to relax after a battle. See you later. Et un petit chien. Moi aussi j'ai un petit chien. Elle est stylée le perso là, tu vois. Voilà un perso féminin stylé. Pas besoin d'avoir des nibards qui font la tête d'un immeuble. Master, master of the book. I'm looking for Vedder's heart. What? Your cocky tone tells me you really are the master of the book. What is the master of the book anyway? All Planesians and Aryans know the legend. The initial masters of the books built the 12 kingdoms. Les 12 royaumes, les 12 fragments, peut-être aussi. Bringing darkness to the world. And after a century, the blood successor appeared. King Magnus, the master of the Book of Death. Once granted with Vedder's fractions of power, are the Knights of Vedder, the most powerful of all. They are Vedder's swords, masters of the book. Then what does Vedder's heart, her fragments, have to do with the book? Petite histoire. A long, long time ago, when lights didn't reach the earth, 12 giants and their beast descendants were fused to the world. Vedder, the goddess of war, one of the 12 war deities
with her heavenly army. After a long past war, Veda won the victory. But our goddess lost her power. And the giants fell to earth and became the seeds of new life. To seal up the 12 giants and protect this land, Veda divided herself into 12 fragments and gave them to 12 humans. They built 12 kingdoms in Aria and Planis and are the original masters of the books. The first book is Veda's Heart. D'accord, monsieur, merci pour les explications. The Book of Life. He founded the ancient kingdom of Nidrim. After the legendary era, nobody knows where the book went. I don't know which book you own, but if you're after Veda's heart, it can't be the Book of Life. From what I know, 10 out of 12 kings fell to corruption and vanished. For now, after the disappearance of the corrupted kings, Magnus, ça fait très Dark Souls l'histoire. Are the only ones found in this world. Do you not know about the Book of Life? Merde, désolé. Hop. But certainly our goddess guided you to me. This castle is the last shield of the kingdom of Nidrim. We need a mighty fighter like you. So you need help. If you help us, we will try our best to find Veda's heart. What do you say? Ha! I'll take that as a yes. Make yourself at home in Todberg. Follow Alossa. Hey! Over here! Et je te suis. Amène-moi aux invocations. Grand maître des chevaliers de Boden. He's pretending not to know, but he knew you would come. Things are even worse outside than Lord Finnar said. D'accord. That day when Edward's Liberation Army executed a large attack, Lord Finnar prepared things just in case. But not everyone trusted Lord Finnar. Many believed victory would go to the Liberation Army and didn't seek refuge here. And eventually, on the night when everyone expected the Mad King to die, the Tree of Dead soared, killing or turning many into undeads. Still, many remained there, waiting for rescue. Lord Finnar was waiting for someone powerful like you. I'm not usually the talkative type. This is your lodging. J'ai une maison. Need your help. Thank you. Une maison gratuite comme ça? Mais c'est insane. Vas-y, ma chambre, ok. Lit, modifier apparence. C'est juste les skins basiques, c'est ça? Moi, regardez le miroir. Ah, ok, c'est bien ça. Tu dois payer pour changer l'apparence, c'est ça? Acheter, ok. Ok. Il y a autre chose. Non, il n'y a rien d'autre. Okay. Bah, Goli. Go to bed. Alors, le lit, il est à côté, mon pote. Il est juste à côté du sol. Ah, j'en parlais à la DS. Pourquoi je combats des gens? Que se passe-t-il? Je me rappelle du cauchemar, mais je sais que vous étiez au bon endroit. D'accord. Rappel.
Un symbole rêvé par Veda pour le chef du livre et vous permet de rentrer dans le cauchemar de Veda quand vous dormez. Ok. Ok. Richesse Saint Graal. Ah, c'est là que j'invoque. Obtenu. Cristaux, or, symbole. Gagnerez plus puissance dans mon cauchemar. Ok, pas la récompense quotidienne que vous pouvez obtenir dans votre sommeil. Ok. Vous progressez dans le monde réel. Le cauchemar devient difficile, mais avec des récompenses plus importantes. Ouais, vous avez rencontré Finard, comme je l'ai dit. Je pense que ma fidèle est loyale VP, mais une récompense. Ok. Ok, ok. Tout ce qui est quotidien et tout, c'est pas mal pensé, je trouve. Oh non, pas ça. Non, pas un paiement numéro 2. Oh non, je déteste ça. Ah non, pas toi. Sûrement le personnage qui va me faire skipper les dialogues. Her bossiness tells me she really is my minute. No way! You two don't look down at me. Oh! How dare you! Get your hands off of me! Little brat, stay still. Oh. What's this? Massive knowledge and memories flowing. Aïe aïe aïe. She will be a big help for your search for my heart. OK. It's time to return to reality. Find my heart. Select Nightmare Awakening to return to reality. Wait. Hmm. Mon dos. I use too much energy. Ok, je sors du cauchemar. C'est un rêve. Non, pas toi. Pas toi. Hey, you don't look happy to see me. Non. Oh, worried about how you'll introduce me to others. No worries. I'm too lovely for them to suspect. Is your name Veda too? Technically, yeah, but that's too boring for adorable. Hmm. Since I'm pretty and fair like Belle Snow. Belle Snow. Call me Belle. Or maybe since I'm working on behalf of Veda, call me Master. Belle. Hello. Are you in there? It's Vito. This voice is. C'est le forgeron. Comment va, ça va et vous? Lawson told me you'd stay here at Todberg for the time being. How great it is that we have you to watch our backs. Anyway, I owe you one. Thanks to you, I can safely. No, I brought a present for you. Hey, what's with this oldie? He smells. He's a threat, isn't he? What? Fairy? Unbelievable! The Knight of the Tragedy. I'm Belle, their master. Now, show me the present. Well, Master Fairy, I. Oh, un cristal, pardon. It's the soul crystal. Of course you know. You really are. Of course I am. The crystal amassed with Knight Soul. Ah, je pourrais invoquer. Like the legend says. Hmm. But to use this, don't we need Veda's... Veda's box? It's a rare and valuable... If you put the soul crystal in it, then... It makes the equipment... Ah, c'est l'équipement, putain, c'est pas... Just as the fairy tales say that... Our goddess... But I don't know the logic behind it exactly. So, does this place have a Veda's box? Our grandmaster has one too. I got it from him. In advance. Will you accompany me to the tavern? And I'm looking forward to my very first time watching the show. Right, let's go. Allons-y. Wow, let's go now. I never saw it with my own eyes. I'm so excited. Putain,
Putain, ils ont mis une petite fée de merde qui va nous suivre partout. C'est, vraiment, c'est le pire truc. Pourquoi ils ont fait ça? Pourquoi? Hello, guys. She doesn't resemble you. I heard you saved Grant. Moreover, you're the master of the book. How cool! He's just my minion. I'm the cool one. All right, let's start. Allez, ouvrons la boîte là, qu'on en finisse. C'est la boîte de Pandore. Est-ce que c'est des invocations ou c'est pour créer des armes à votre avis? Ah, c'est des invocations. Un cristal machin, un bleu ou un rose quoi. Ok. D'accord. Donc pour, je pense que le bleu c'est la bannière basique et les roses c'est la bannière du moment. J'invoque. Alors je sais pas si c'est scripté ou pas, je sais pas. On va voir. Ah, il y a du vieux dans son œil. Comme j'ai dit, je sais pas si c'est scripté ou pas. En tout cas, c'est violet. Violet, je suis pas rassuré. On préférait doré. Violet, ça veut dire que c'est un épique. Après, c'est scripté, je pense. Je sais pas. Ouais, c'est 4 étoiles. Oh, il est stylé, mais... L'âme foudroyante. Je m'appelle Martial de Castelli. J'ai eu un arc. Ok, donc il y a les armes plus les persos. D'accord. Et la pitié, elle est là. C'est, je suis à 5 sur 90, d'accord. Pour avoir un 5 étoiles. J'ai bien compris. J'ai qu'un perso du coup, pas deux. Ok. Obtenu un supplément. Ok. Ok, ok. Alors y'a quoi après? Ça, c'est la bannière basique du coup, si j'ai bien compris. Ça c'est... Une bannière en promotion. Premier pas du chevalier Lucien. C'est un 4 étoiles. Après c'est moins 20%. Ah mais je le gagne en plus. Ok. Là c'est violet. Mais violet je sais pas trop comment on les a. Ça c'est la bannière basique. Ok. Je sais pas si je devrais faire celui-là. Mais à moins 4 étoiles, je sais pas si c'est utile. Je sais pas. Wow. It really was unbelievable. Cool. I've never seen that before either. It really is amazing. Formidable. Oh, that reminds me. Actually, Damona was desperately looking for. I suggest you visit her. Ok. Bon voilà. On est arrivé jusqu'aux invocations pour la découverte sur YouTube. Je pense que pour YouTube, on va s'arrêter là. Donc si vous voulez tester le jeu, c'est sur Steam. Moi, je vais continuer, je pense, à en avoir plus. Avancer un peu, voir si le jeu en vaut la peine. Donc n'hésitez pas à aimer, commenter, à vous abonner comme d'habitude. C'était Kent, des bisous YouTube.